Salut tout le monde, c'est Camille pour le 87e épisode de Fallout 4. On reprend après les... On était à 1h, 11... un jour, 1h... Un truc comme ça de jeu. Je ne sais plus exactement en fait. C'est quoi un jour? Alors j'ai rejoué un petit peu depuis au fait, mais... Voilà, on en est là en fait. Un jour, 11h, 1 minute. On l'était. Oui, parce que je vais recommencer des trucs et au final c'était de la merde. Y a rien. Et puis je sais même plus ce que je... Oh, un coffre. D'accord, c'était pas fait exprès. Mais ça me va. Bah, c'est juste en bougeant ma souris. Oui. Oui. Ah merde, ça fait du tri, ça fait chier. Je prends. Je suis à 230. Ok. On va prendre. On va monter les escaliers. Je sais même plus ce qu'on va faire en fait. Boîte à cigare, vas-y, on va prendre le cigare, un peu de sky. Putain, il n'y a que de boissons quoi. Vodka, bourbon et Gwyneth Scouts. Faudra que je pense à l'utiliser, à les utiliser les boissons quand même. Capsule. Ouais, chose que je ne fais quasiment jamais. Cartouche, putain, trop bien. Radway Manta. Oui, je fouille. Bon, Abbot V, Bobro. Bobro. Ben, vodka, vas-y, on se prend à boire. Cabine du capitaine. Attendez une minute. Je dois vous dire quelque chose d'important. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous donner le code de rappel de B592. S'il l'entend, ses fonctions cognitives seront réinitialisées et il deviendra docile. Vous devez dire B592, réinitialisation totale, suivi du code d'autorisation Gamma 71 Epsilon. Quand il aura été neutralisé, je pourrai le ramener en toute sécurité à l'Institut. Réinitialiser quoi? Comment ça, ses fonctions cognitives seront réinitialisées? Aucune importance. Qu'est-ce que ça changera de toute façon? Pour simplifier, le code de rappel lui fera perdre conscience, même s'il reste debout. C'est tout. On peut y aller quand vous voulez. D'accord. Mais je prenne du jet aussi en raccourci. Ah! Cette épingle. Coffre-fort déverrouillé novice. Et est-ce qu'on peut nous déverrouiller le coffre? Journal d'invite de commande. D'accord, on s'en fout. Ouvrons le coffre-fort en novice. Génial. Oui. Bon, je vais prendre, je pense que je vais être trop lourd. Il fait 64, il a une grosse... 60, il a une grosse portée. Pourquoi 64? Parce que j'ai eu 614 en dessous. Alors, inventaire. Arme, on est bien. Il fait 60 et moi c'est quoi? Moi j'ai combien? 72 déjà. Ah oui, j'ai mieux d'or. Lunettes boost. Cadence 66 par contre. 50. Ah ouais, bah non. J'en veux pas en fait. Et j'ai chopé quoi? C'était une tenue je crois. Ça. Non. Dégage. Dégage. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai des cœurs, j'ai pas de cœur. Vas-y, on va le jeter. Et on va le jeter. Ça me fait un peu de poids en moins. Pistolet, de toute façon, on utilise... On en a d'autres. Ça, la grosse pétoire. Je vais le prendre par principe, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est pour la collection. De l'eau sale. Ah. Tiens. D'accord. Ah, cassé. Bon, quand même. Je sais pas combien on a, faudrait que je regarde, tiens.
Joli. Cartouche, cartouche, un fusil de combat. Non. Combien on en a ? Ça va être dans quoi ? Mode, d'accord, munitions, donc c'est pas, non, ça va pas être dans munitions, non. Divers, bah oui, divers. Pourquoi je... C'est le dernier épingle, 146, on est large, putain, ouais. Donc c'est par où en fait, parce que je sais même pas. J'ai loupé la porte, non. J'ai l'air con là. Ah tiens, c'est là, faut que je grimpe, ok. Y'a pas une échelle ? Un escalier ? Quelque chose ? D'accord, super. Bah, je sais, non. C'est quoi ça? De l'huile de cuisine. Ah si, putain. L'échelle est là. Le con. Je l'ai pas vu. Voilà. Bien joué. Votre équipement. Très impressionnant. Ah, que vous êtes deux agents de l'Institut. Arrivé au sommet. Alors dites-moi, l'Institut est vraiment désespéré au point d'avoir besoin de piller le butin durement gagné d'honnêtes gangs du Commonwealth? D'honnêtes gangs. Alors, c'est le côté gang que j'aime pas, hein, par contre. Quoi comme butin? Qu'est-ce que vous avez comme butin? Ah, donc vous êtes bienvenus pour nous voler. Qu'est-ce que tu fous, boss? On peut se les faire, facile. Tu fermes ta gueule. Je sais ce que je fais. Notre butin n'a rien d'extravagant, mais... Je suis prêt à vous en faire cadeau si vous acceptez de partir sans faire d'histoire. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai votre parole. Marché conclu. Marché conclu. Donnez-moi ce que vous avez et on s'en ira bien gentiment. Vous n'allez tout de même pas passer un accord avec cette ordure. Il faut la battre. Voilà le mot de passe pour accéder au butin. Orc folle. Servez-vous! On se débrouillera pour remplir nos caisses plus tard. Désolé. Mais j'ai des ordres. 5,80. Dommage. Initialisation totale. Au gamma 7,1 epsilon. Boss, ça va? Gabriel, t'entends ce que je te dis? Merde! Ils lui ont fait quelque chose. Liquidé! Voilà, je m'en doutais. Sauf que moi j'ai le code. Oh merde. Putain, c'est tir fort, mais... Oh, il a explosé. Il y avait quelque chose d'intéressant. Tu peux pas le voler, d'accord. Capsule, cartouche... Ici, X6,80. À rentrer avec le synthétique B5. Bon, le coffre-fort, j'aurais pu l'ouvrir quand même. Je sais même pas, il est où? Oh, la violence. Il avait des ordres, mais voilà. Paladin, il a détesté, par contre, ça m'embête un peu. Bon, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc on s'est fait tous les pillards, tout simplement. Easy, easy. Bon, qu'est-ce qu'on a comme quête? Donc, jetons de voir père. Ouais. Trouver un aimant haute intensité. Bon, allons voir père. Allons à l'Institut. Et donc j'ai réfléchi à mon choix. Grandement. Voilà. Et je sais pas si on... À quel moment, en fait, on pourra faire le choix, vraiment. Donc on va voir, je fais une petite sauvegarde. Allez, tourne, voilà. Heureux de vous retrouver indemne. Je sais que la tâche était ardue, mais il fallait que vous constatiez par vous-même le danger que représente un synthétique renégat. C'est la faute de l'Institut, peu importe le responsable, qu'est-ce que ça peut faire? Heureusement que c'est fini. Du coup, c'est vrai que c'est la faute de l'Institut d'avoir créé ça. L'Institut a créé ce synthétique, ce qui veut dire qu'il est responsable de ses actes. Je ne suis pas d'accord. Par nature, un synthétique n'est pas plus malveillant qu'un pistolet. Quand un homme est tué par balle, accuse-t-on le fabricant d'armes? Bien sûr que non. Le coupable est celui qui a appuyé sur la gâchette. Oui, nous avons créé ce synthétique. Mais ce sont les agents du réseau du rail qui en ont fait un tueur. Qu'ils en aient eu l'intention ou non. Mais assez parlé de ça. Vous avez rempli votre mission.
et vous nous avez ramené notre synthétique en bon état. Je ne pouvais espérer meilleure issue. Excellent travail. En votre absence, j'ai fait préparer vos quartiers. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, ainsi qu'un bon stock d'armes et d'équipements. Allez y jeter un œil. Je pense que ça vous plaira. Ouais. Ça fait bizarre d'appeler son fils père. Je saute moi comme un con. Par là, c'est plus haut. Ça passe. Ça va être par là, je pense. Bon, je pense que je suis pas mal là. Et c'est un peu du pif. Il y a eu un autre incident. Code rouge. Quoi ? D'accord. C'est le troisième en 15 jours. C'est intolérable. Comment est-ce arrivé ? Nous soupçonnons un bug dans la matrice, mais l'enquête est en cours. Bon sang ! Je suis entouré d'incapables. Je vais m'en occuper. En attendant, dites à tous les autres de rester en alerte maximum. Doublez les patrouilles et rallongez les quarts. Immédiatement, monsieur. Si vous remarquez la plus petite anomalie, le plus petit détail suspect, signalez-le immédiatement. Ça ne doit plus arriver, vous m'entendez ? Plus jamais. Oui, monsieur. Entendu, monsieur. Certains disent que je me plains constamment. Mais j'appelle ça émettre des critiques constructives et éprouver des hypothèses. Docteur. Vous savez ce qui arrive quand on laisse les robots faire tout le travail ? On devient fainéant et on fait du gras. Des vrais gens. D'accord, bon, on s'en fout en fait. Je m'attendais à un truc plus intéressant. C'est encore plus haut. Ouais, mais c'est, ouais, mes quartiers. C'est un plaisir de vous voir. Ah, c'est là. Vos quartiers sont juste à l'intérieur. Ah oui, ils se doutent. Merci, Captain Obvious. Hep. Salut, monsieur. Non, je voulais fermer la porte, là. Quand vous en aurez terminé, père souhaiterait vous voir. Voilà. Retour au bercail. C'est chez nous. On peut utiliser les toilettes. On peut juste s'asseoir. D'accord, super. Et on peut attendre. Ok, attendre sans les chiottes. Génial. Bon, on va dormir un peu pour se remettre bien d'aplomb. On va dormir une heure. Yeah! Donc, faut descendre. Apparemment, ce synthétique renégat à Libertalia était un vrai danger public. Ouais. Papa, vous êtes le papa de père, mais il a l'air beaucoup plus vieux que vous. Oui. Tous les systèmes fonctionnent. Mon travail. Je suis le père de père. Je t'écoute. Oh. Bonjour, père. Dites-moi, que feriez-vous si quelqu'un vous volait quelque chose ? Qu'est-ce qu'on t'a volé ? C'est une question piège, ça. Qu'est-ce qu'on t'a volé ? Il est rare que les biens de l'Institut soient volés. Mais quand ça arrive, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. L'organisation qui se fait appeler le Réseau du Rail a acquis plusieurs synthétiques de l'Institut. Des synthétiques qui avaient disparu ces derniers mois. Ils veulent visiblement libérer ces synthétiques. Parce qu'ils les croient doués de sentiments. Mais vous connaissez certainement leurs convictions erronées, ayant été en contact avec eux. Ils sont fous. Ils s'en foutent de prendre ces machines pour des êtres vivants. Exactement. Ils ont beau croire qu'ils œuvrent pour une noble cause, ce ne sont que des voleurs. Ils ne représentent pas de réelles menaces en temps normal. Mais dernièrement, ils se sont enhardis. J'ai bien peur qu'il nous soit devenu nécessaire d'intervenir. Nous savons où ces synthétiques se trouvent. Et nous devons les récupérer avant que le réseau du rail n'ait le temps de les cacher. Ouais. D'accord. Quel intérêt ? Je n'en vois pas trop l'intérêt. En plus de reprendre ce qui nous appartient, nous devons leur donner une leçon. Et sans tarder, qui plus est. Mais il va falloir agir vite, avant que le réseau du rail se rende compte que nous les avons localisés. Nous ne voulons pas non plus que la confrérie de l'acier découvre la présence des synthétiques. Ça ne ferait que compliquer les choses. Il vaudrait mieux que ça me rapporte quelque chose. Je peux vous assurer que cette opération aura des répercussions non négligeables en votre faveur. Un chasseur vous attendra près de Bunker Hill. Rejoignez-le avant de commencer la mission. D'accord.
Alors, je voudrais juste faire un truc, parce que je crois que j'ai vu, mais j'ai pas... Les alliés synthétiques sont tellement réalistes que je les prends souvent pour de vrais humains. Ah, c'est bizarre. Voilà. C'est ici, chez moi. Hein. Deuxième étage, je crois. Je voulais juste faire, du coup, un truc... C'est... Et dégage, synthétique. Pour toute requête de maintenance, veuillez transmettre un rapport à la division des infrastructures. Alors, on va prendre une combinaison de l'institut. Ah, fait chier. Ah, le mec qui a pas de bol. Alors, inventaire. Je vais ranger quelque chose qui ne me sert à rien, je ne sais pas. Ça pèse 1. Faut que je... Ah bah d'accord, on va stocker. On va garder bon, les 3 bourbons. Et qu'est-ce que je peux stocker? Fatman, putain, non. Les figurines fusibles. Ah, le Gwinnett Scout pèse 1. Allez, voilà. Je voudrais maintenant me téléporter à... là. Sanctuary, voilà. J'ai du mal à chaque fois avec ce nom. Sanctuary. Allez, mon petit pépère. C'est normal, hein. Transfert, stocker le bric-à-brac. Yes. Un jour, Sanctuary deviendra une communauté très... Ouais. On est déjà pas mal, là. Est-ce que je peux replanter les carottes? Alors, ressources. Nourriture. 0. 30 pieds de carottes, allez. On va en mettre un peu partout au final, on s'en fout. Niveau plus, cool. Je mets des carottes partout, j'en ai plus à la faute, mais les carottes. En fait, c'est juste pour les vivres. Hein. Allez. C'est super pas pratique à poser en fait. Parce que la touche Q qui nous permet d'aller à gauche, c'est aussi la touche recherche. Vite. 7. On va mettre un peu plus par là parce que... 6. Allez, voilà, 5. 4. 3. 2. 1. 0. On a mis toutes les carottes. Qu'est-ce qu'on peut mettre On va tester de l'autre sens. Oh, des épis de maïs, tout ce que j'ai encore, putain. Vif, je suis à 17. Ah merde. Et le dernier. Voilà. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Tiens donc. Bah oui, on recycle. On retrouve des trucs là. Bon, le bois, on s'en fout. C'est vraiment de l'acier qu'il me faut. Et il faudrait que je fasse un... T'es sérieux? Oui, il y a un pneu là. On l'avait déjà vu peut-être. On va laisser. On faudra que je fasse un truc mieux, un de ces quatre. Je sais pas si je le ferai avec vous tout seul. Ou on se refera un épisode un dimanche, on verra ça. On va arrêter ces conneries là, du coup, quitter, voilà. Donc on est arrivé là, pour vider l'inventaire. Qu'est-ce qu'il faut que je pose? Ah oui, c'est vrai, alors. On va aller au relais routier, quoique, non, faudrait pas que j'aurai lieu au relais routier, faudrait que je place des trucs ici, c'est à éviter de me faire chier. Essayez de vous contacter par... Aller à deux endroits différents à chaque fois. Bon. Bah, c'est pas grave, on va le faire quand même. Fais-en le.
On va se vider l'inventaire et après, qu'est-ce qu'on va se faire? Je ne sais même plus. Donc là, il y a quand même pas mal de trucs. Donc, les armes. Ça va être tout en bas. Ah, donc on a quand même fait pas mal de place. Les boissons aussi. Qu'est-ce que... Pourquoi je l'ai... Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Bon, j'ai de l'arme et de l'armure. Putain, j'ai même des boissons. Je sais pas. Junk Jet, oh celui-là. C'est pourri en fait le Junk Jet. Je ne sais pas. Magazine, mais j'ai des trucs chelous là-dedans quand même. People. Fout d'ailleurs. Voilà. J'ai même des armes, des armures, j'ai de tout. Bon, on va déposer ça. Putain, les bombes nucléaires, quoi. Les mines. Oh là là, j'ai tellement de trucs, en fait. J'ai trop, trop de trucs. Et donc, en larmes, voyons. Cœur. Bon, bah, je suis pas mal. J'ai des cœurs, surtout. Vous encombrez-vous de ces babioles? Je suis en train d'éviter. C'est chelou ta jambe. Comment t'es posé? Putain, j'ai des armures à 6 et 2 encore là. Pff. Oh la vache. Bon. Au final, ouais, on a fini par faire un petit peu le... tranquillement le... la petite ville. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Les vieux canons retournés au château. Informer le reste du rail. Le Bunker Hill. Faut que j'informe la confrérie du rail en optionnel et le réseau du rail. Eh bien écoute, j'ai deux niveaux. Eh ben on voit ça pour le prochain épisode tout simplement. Allez, ciao tout le monde !